Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter un Dell Latitude 7480. Pour commencer, on va retourner le PC. On va retirer les vis de la plasturgie arrière. Une fois ces vis retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On va aller chercher la plasturgie comme ceci pour arriver sur la carte mère. Pour commencer, on va déconnecter la batterie comme ceci. Ensuite, on va la dévisser. Comme ceci. Ensuite, on peut voir ici le disque M2. On va le dévisser comme ceci. Ensuite, on va déconnecter ici le micro. Comme ceci. Ici, on a les voyants. Ici, on a la pile du BIOS qu'on peut laisser connecter sur la carte mère, c'est pas un problème. Ensuite, on va défaire ici les différentes nappes qui sont fixées. On va retirer le scotch. Comme ceci. Les nappes, il suffit juste de soulever le petit connecteur comme ceci. Ici, on a la nappe de l'écran qui est maintenue par une pièce métallique. On retire la vis et on peut enlever le doigt de maintien. Comme ceci. Ensuite, pour défaire la nappe, il suffit de soulever et notre nappe est défaite. Ici, on a la connectique d'alimentation. On peut la retirer comme ceci. On va ensuite défaire notre carte Wi-Fi. Comme ceci. On peut retirer les deux antennes, il suffit juste de les soulever délicatement. Ensuite, on va retirer donc le ventilateur, on défait les deux vis, on déconnecte et on retire les quatre vis du radiateur. Comme ceci, et on peut soulever notre ventirade. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la carte mère. Donc elles sont marquées avec un petit triangle blanc. On a aussi deux vis au niveau des barrettes mémoire. Ensuite, on peut retirer notre carte mère. Pour changer le clavier, vous pourrez dévisser ici toutes les petites vis, retirer le clavier et en mettre un nouveau. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.